fait quoi? Bon, là, on va lancer le live. Et bon, on va déclencher. Apparemment, on était en train de chercher Amout en Paris aujourd'hui. Qu'on a cherché Amout fatigué. Continuez toujours à parler des gens. Voilà, ça l'a loupé aujourd'hui. Ça l'a bien loupé aujourd'hui. Donc, comment on va appeler ça? Attends, je monte. Voilà, je mets ça encore en bas là. Donc aujourd'hui, on a vu comment elle avait dit. On a vu comment Amout a fui Paris. On a vu comment Kuna Guiru cherchait Amout. Amout a fui Paris. Hey, Adama. Kuna Guiru, tu es fort. C'est toujours les réglages parce que le volume, je n'entends pas bien. Voilà. Donc, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un vient de loin, il vient te chasser dans ton territoire. Oui, quelqu'un vient dans ton polo, il vient te chasser de ton territoire. Hein, maman, la honte de ça. La honte de ça. Quelqu'un vient depuis l'Espagne. Il te dit que s'il te trouvait dans le 17e, s'il te trouvait dans le 17e, va te faire ça dur. Tu vois là, tu as fui le 17e, non? Vous avez seulement parlé quand les gens ne sont pas là. Voilà, dans le 17e. Vous aimez parler quand les gens ne sont pas là. Ah, tu es à Paris? Je t'appelle tout à l'heure, s'il te plaît. Je t'appelle tout à l'heure si tu es à Paris. Là, je suis à... On est à 22h41. 22h41. Dans une heure, le RSA de Lolo va tomber. Oui, je te prends tout à l'heure. Je te prends 2 minutes avant de continuer le live. Tu es à Paris. Le temps de finir le live.
Tu as parlé. Yes. Tu es arrivé quand? Je vais te dire ça à l'inbox. Ok. Bon. Comme tu arrives à Paris, ça arrive donc forcément que je dois arriver sur Paris, c'est José. Ok, tu as bien voyagé quand même. Yeah, tout à fait. Ok. Donc, when you don't finish, non, when you finish my live, I'm calling you back. Ok. 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 Super. Okay. Oh, I want you, happy birth to you. Say welcome to France. Say welcome to France. Well, welcome to Paris. Thank you. Thank you. Okay. I want Bye. To speak and speak any story. What on dit any story? J'ai beaucoup d'histoires à te dire. What you tell in English? Why j'ai beaucoup d'histoires à te dire? I have a lot to tell you. Okay, I have a lot to tell you. Okay. Okay. Okay, I'll call you after. All right, take care. Bye. Okay, thank you. Hey, Amé. Hey, Amé, Munga. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Donc, c'est ce qu'on appelle alors happy birthday to you. C'est ça, non? Ok. Non, c'est une amie qui vient directement du... C'est une amie qui vient directement du Canada. Donc, elle est à Paris. Et, elle n'est pas trop habituée. Monax. Natacha de Monaco. Natacha. Macao. C'est ce qu'on dit que le gars est habitué à sortir les bêtes. Quand les gars me jalousent dans les réseaux, vous pensez que les gars me jalousent pourquoi? Je suis le seul blogueur qui a l'écurie de Belga. Le seul. Hein, Natacha. Et Natacha, ma page est là monétisée. Ma page est déjà monétisée, Natacha. Merci pour la... Merci. Thank you. Donc, on commence à envoyer les étoiles. Non, c'est du loup. La fille est là-bas, choukou. La fille est là-bas, choukou. Elle ne sort pas de pauvre. Parce que maintenant, en 2023, là, pour sortir, pour... En 2023, si un gars veut draguer mes potes, mes copines, gars, il doit avoir l'argent. Ouais. Oh, de Monaco. Monaco, il faut quand même que je vienne là-bas. Ça fait quand même. Je ne veux pas rentrer au pays sans venir chez toi. Il faut conduire la Mercedes. Hein? La Benz. Il faut que je conduise la Mercedes. Ah ouais. Il faut que je conduise la Mercedes. Oui, je sens la Mercedes. Alerte. Attendez, j'appelle le central. Parce que depuis aujourd'hui, le central, je ne sais pas à quel niveau il se trouve. Parce qu'il y a Koun qui est en train de chercher. Koun est en train de chercher à Moudan Paris. Donc, j'appelle le central pour vérifier. J'appelle le central pour vérifier à quel niveau il se trouve. Parce que je n'ai pas envie que mes collègues passent la nuit. Je n'ai pas envie que mes collègues passent la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je n'ai pas envie que mes collègues passent la nuit à... Attendez. Moi, j'attends la prime d'activité. C'est quoi la prime d'activité au juste? Donc, partagez. Je veux le maximum de followers. Maintenant, on va construire un empire. Maintenant que la page de la mère Kamer motisée, are you ready now? Envoie encore l'invitation. Je montre
je montre à ces Camerounais là, ces Camerounais de Paris qui n'ont pas le level. Bonsoir. Arasa, please call, send me invitation. Mais quand même, c'est du lourd. Je t'appelle tout à l'heure. Attendez, vérifie d'abord. Je vérifie si Amouta encore apparaît. C'est très important. Allô, Central. Allô, Central. Oui, je voudrais savoir. Là, il est. Là, il est 22h48. Depuis 15h aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'une personne vous dépasse à chercher dans toute l'île de France. Oui, parce que Koundra rentre demain matin. C'est très important de pouvoir de me donner une suite favorable. Oh, le patron à l'hôtel, à vous. Bon, ok, bon, une fois que vous avez, il nous manque 15 minutes de rabattage là, à vous. Et surtout, si le RSA de Lolo passe, n'oubliez pas de m'alerter parce que j'ai mis les gars au niveau du hockey, d'accord. Bon, c'est obligé. Hein. Ouais, parce qu'on est en. Ouais, mais quoi que petit, bonne année. Avec le gars, hein. Ouais, c'est comme, mais je viens à mon live pour m'appeler, tu me dis que petit, bonne année. Bon, actuellement, il a disparu dans Paris. Parce que moi, je reçois des injonctions. Je ne peux pas recevoir les injonctions de Koun. C'est moi la touffe de la poitrine, alors. Amen. Ouais, attends, je vous présente. Oh, Périgord. Il ne prend que les femmes. Ça, c'est une amie qui vient du. C'est une amie qui vient du Canada. Hassan, connecte-toi encore. Comme ça, je te présente. Je te présente à mes followers. Tu vois un peu. Oui, je te présente à mes followers. Comme ça, au moins, tu es quand même ma BS d'amour. Ce n'est pas parce que tu es ma BS que. Bon, on revient. Aujourd'hui, on a deux grands sujets ce soir. Ce soir, on a d'abord on a le RSA de Lolo qui va tomber dans 1h10. Parce que là, il est 22h50 à Paris. Et là, nous attendons. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir le RSA de Lolo en direct. Ta carte de séjour a été renouvelé. Moi, ma carte de séjour n'est pas encore renouvelée. Ça sera dans 1 an et demi, 2 ans. Par contre, vous n'allez pas me dire, et ça, je tiens encore à rappeler aux gens, quand vous avez la bouche, faites très attention. Attends, ok. Voilà. Quand vous avez la bouche, faites très attention. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous ne savez pas celui qui vous regarde. Vos amis, là, je vous ai toujours dit, quand c'était Amer Kamer, quand Mota avait monté le coup comme Arrête, il faisait les postes tous les 1 heure. Ou actuellement, Amer Kamer est en train d'être en train de partir. Fais encore les postes, on voit, non? Il y a un coup, le cœur à Paris te cherche. Kounagora à Paris, à Mouti, te cherche. Pas encore les postes, on voit. Quand on m'a arrêté là, tu étais là. Amen, Kamer, Amen, Kamer, et t'arrêtes. Fais le poste maintenant, on voit. Oh, Lolo, Adama, on peut avoir peur
comme ça. Ouais, Ndolo, tu dis quoi? Mais c'est une. Mais... Parce que quand c'était en air, quand même, il fallait voir. Oui, il était chez la doyenne. Aujourd'hui, tu as. La doyenne, ton client n'est pas venu aujourd'hui. Kuhn a monopolisé tout Paris. Kuhn a monopolisé tout Paris. Vous avez compris? Vous avez pas le wang en wang. Kuhn a monopolisé Paris. Il a été aujourd'hui là. Je vais voir où il est. Les gars de Neubel. Les gars de Neubel font du sale. Un gars de Neubel, un Neubelois. Mais les gars qui ont joué à la fédération à TZ, connaisseurs connaissent. Les gars qui ont joué à la fédération à Sousson du quartier. Hein? Les gars qui vont marcher les chèvres. Un gars de TZ, il dit que je vais te voir. Je vais te montrer. Il vient, il vient. Hey, maman, c'est comme si un gars me dit que un gars vient à Brive. Me dit que, Amen, Amen, comme tu as Brive, la sors si tu es un homme. Reste carré à la maison. À l'heure si, hein, il n'y a pas les histoires de que, ouais, Amen, du Amen. Comme, oui, c'est comment il te dit qu'on a arrêté Amen, Amen. Je te dis comme je suis en train de te dire qu'on a arrêté Amen, Amen. Le gars, il ne sait pas que du Amen sur haut-parleur. Pendant qu'il dit ça à Ducamel, si j'avais Ducamel sur l'autre téléphone. Quand c'est moi, Amout, quand c'est moi, tu écris. Tu écris vite. Tu as demandé de sortir aujourd'hui. Après, tu as sorti demain. Ouais, que Adama. Tu n'as pas suivi son directement. Bon, je vais prendre ça, c'est un sujet à part. Parce que quand vous aimez, vous nous initiez dans les histoires des gens. Et tu prends Harry que si c'est Moulema Ndolé, si c'est Ndolé Moulema, si c'est Ndolo Moulena. Et je t'avertis d'abord au calme de mes déclarations. Donc je suis en train de vous dire ceci. À partir de ce moment, Amoud n'est plus le président de Paris. Sa mère, quand même, qui prend ça. À partir de ce moment, Amoud n'est plus le président de Paris. Un président qui fuit. Hey. Oh. Attendez. C'est un message. Ouais, c'est Kuhn qui vient de m'envoyer le message. Ouais, je l'ai rappelé tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui, Kuhn a détruit Amoud dans Paris. Avec les preuves, hein. Le live est là. Il a dit, sors, je vais te voir chez la douane. Dans ton fief. Dans ton fief, et je suis sûr qu'il va te chercher en Espagne. Vous connaissez Kuhn. Les gars de Neubel, les gars de Neubel, vu Eto'o. Vous avez vu Eto'o ce qu'il a fait au gars. Il a pris son esprit neubelois. Quand il y avait les man commandos contre Neubel, personne ne voulait arbitrer le match. Les man commandos Neubel, ça se jouait sans arbitre. Qui pouvait prendre le risque de venir arbitrer? On a arbitré la sorcellerie. Mais. On habite la sorcellerie. Demandez au gars. Santé, commandant contre Neubel. On dit qu'il va arbitrer. Les gens sont là. Au Cameroun, personne ne nous ancêtres. Rien que pour ton commentaire, tu bloques. Voilà. On va faire ça ailleurs. Voilà. Rien que pour ton commentaire, il te bloque. Aujourd'hui, ce soir, Kuhn a pris le pouvoir à Paris. Kuhn a pris le pouvoir à Paris. Tout le monde. Kuhn a pris le pouvoir à Paris. Man, on chasse le chef terre. Hey. Ouais, attendez. Le chef, c'est-à-dire que Kuhn a monopolisé tout Paname, mon frère. Il a adjoncé. Et il m'a dit, ah, mais quand même. Le gars, attendez, au courant, attendez, je n'ai pas dans le live là. Et qui? Attendez, prends le truc. Attendez, je mets. Attendez, attendez.
Facebook. Tout à l'heure, on a vu ceci. On a cherché Kounaguero tout à l'heure. C'était. Où est-ce qu'on est allé trouver Kounaguero juste? On va trouver Koun. Koun. Kounaguero, puis voilà, je vais mettre Kounaguero, puis peut-être ça peut nous envoyer. Kounos, il peut changer son nom, là, mais quand même son nom, disant, il nous donne le travail. Voilà, Kounos, c'est comment tu me donnes le travail comme ça, là? Voilà, Kounaguero, voilà. Si on met Kounaguero, on va voir quoi. Ça a encore recommencé. Tout à l'heure, j'ai cherché. Attends, je suis allé sur Amer Kamé tout à l'heure pour trouver ça. Amer Kamé, voilà, Amer Kamé. Amer Kamé, il fallait encore qu'on remonte sur les recherches. Pour les recherches avec. Ouais, il y avait ça tout à l'heure. Il y avait l'histoire de Koun tout à l'heure. Ouais, c'était quelque part ici. Voilà, c'était quelque part ici. Ouah, Koun, c'était ici. Voilà, Kounaguero. Voilà. Voilà. Parce que c'est là, je ne veux pas parler pour qu'on dise que. Et il a dit quelque chose. On le met ça. Parce qu'il faut qu'on montre. Attendez. Maintenant, j'ai réagi. Voilà. Le patron dit qu'il réagit. Le patron dit qu'il réagit. Non. Ne dites pas après que je ne suis pas parlé. Je vais dans son QG, là où il y a l'habitude de partir. Le voilà qui marche à Paris. Il ne faut pas dire que. Je suis bien à Paris. Ça, c'est la vie que je mets. Voilà. Donc, là, je ne parle pas trop. Voilà. Je vais l'embrasser ce soir. J'espère voilà. Qu'il va sortir, même s'ils sont 10, même s'ils sont 20. Moi, ouais, je suis seul, hein. Je marche seul. Non. Voilà qu'on est en train de chercher. Voilà un mot que Kounaguero est en train de chercher. Quand sa mère, quand même, il sait faire les postes. Voilà, fais les postes encore pour dire où tu es. Faut pas laisser les femmes parler. Aïe! La paroi, c'est pour les femmes. Ça, c'est le vrai mec. Ici, on n'appelle pas le procureur pour dire qu'elle a arrêté Amer Kamé. Amot, ici, on n'appelle pas le procureur. Ici, tu montres que tu es un homme. Même le week-end, je suis à Paris. Il a dit le week-end, il a parlé. Le week-end, c'est toi resté à la maison. On va gérer ça. Ouais, pardon, pipez-moi, Koun. Koun, pardon, viens en live. Koun, viens en live. Quand vous mettez dans les réseaux sociaux, vous décrivez n'importe quoi. Koun, bipez-moi Koun dans le live. Vous insultez les familles. Salut, Edith. Maintenant, Camdom. Je passe à la vitesse supérieure. Il dit qu'il passe à la vitesse supérieure. C'est lui qui parle. C'est mon patron. À la vitesse supérieure. Le nouveau président de Paris, Kounaguero. Il y en a plein à respecter les gens. Vous allez apprendre à respecter les gens. Les gens qui n'ont pas de valeur. Les gens qui n'ont pas de valeur. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Même dans vos rêves, on ne peut pas être au même niveau. Même dans vos rêves, on ne peut pas être au même niveau. Les gens sans valeur. Les gens sans valeur. Les gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir. Les gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir. C'est que comme ils parlent en arabe, moi, ils traduisent en français. À raconter des inepties. À raconter des inepties. Et ça vous anime. Et ça vous anime. Et les gens rigolent. Maintenant, c'est quand la gueule de quelqu'un va se tordre. C'est quand la gueule de quelqu'un va se tordre. On va se retrouver devant une justice. On va se retrouver devant une justice.
Et ça, on va donc après, changer. Apparemment, la diffamation, ça n'amène nulle part. Parce qu'apparemment, la diffamation, ça n'amène nulle part. On va aller dans le pénal. Mais on va aller dans le pénal. C'est là où on va établir les torts de chacun. C'est là où on va établir les torts de chacun. Menacer ou me donner rendez-vous. Si tu es un homme, machin, tu es. Je viens tout le temps à Paris. La semaine dernière, j'étais à Paris. Le week-end, hier. Si j'ai décidé d'aller avec vous. Il a décidé. Et il m'a dit, Ahmed, tu le localises, tu m'appelles. J'ai dit, oui, chef. J'ai pas envie d'aller chez quelqu'un. On appelle ça violation de domicile. Il a parlé de quoi le NAC. Attends, attends, je passe, il faut que je. Il m'a pas donné rendez-vous chez lui. Je suis obligé d'expliquer. Parce qu'à moi, après, il va pharmacer le langage des signes. Là, il a dit qu'il ne veut pas aller faire du truc à domicile. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le tabasser en privé, en passant. Oui, le RSA de Lolo arrive dans 58 minutes. Il est 23h02. Donc, dans 58 minutes, le RSA va tomber sur le compte du livret A de Lolo. Merci. Bon, on continue. Donc, là, il avait dit qu'il ne veut pas que le NAC chez lui. Pourquoi ne dit pas qu'il y a violation de domicile? Mais il pose son pied de haut. Il sera dans pas à passer. On continue. On va passer le décryptage. Nous-mêmes, ils ne savent pas où j'habite. Ils n'ont pas mon adresse. On va se trouver dans un lieu public. Il dit la bastonnade doit être publique et retransmise en direct. Il ne prend pas les droits d'auteur de la bastonnade. Et il a dit qu'il va sabater. Pied gauche. Il a dit que pied gauche parce que c'est lui. Il ne veut pas qu'on pied droit parce que pied droit, c'est grave. Donc il dit qu'il va sabater pied gauche. Moi, il transmet seulement le message. Tu sais, il m'a dit, mais tu le localises, tu m'appelles. Il dit, oui, chef. Pardon, bipez-moi, Koun. Vous croyez que c'est les blagues de Facebook. Je suis sorti dans le cadre des blagues. Il dit qu'il est sorti dans le cadre du travail. Les gars de Nobel, hein. Il dit que si tu as un problème avec un gars de Nobel, prépare-toi. Les seuls gars qui peuvent compter quand les gars de Nobel, c'est les gars de Commando. Ça là-bas, c'est la guerre alors. Entre Monlong et Babim. Quand il y avait Bagan, commandant contre Nobel, la police attendait que le combat finisse. Voilà. Ouais. Quand c'était mon tour, il postait tous les deux minutes. Amen, Kamel vient d'être arrêté au Femous. Amen, Kamel vient d'être arrêté. Amen, Kamel vient d'être transféré au CED. Amen, Kamel, bam, 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 bam. Maintenant, Perika, on te cherche. On te cherche. Amen. Ce n'est pas que je connais un petit commissaire quelque part. Ce n'est pas que je connais un petit adjudant chef au CED. Ce n'est plus ça, Mbeng. Mon frère, c'est Mbeng. Depuis qu'il est arrivé, tu es en train de runner. Jusqu'aujourd'hui, tu continues toujours à runner. Demain, il fallait y aller. Même poster sur ta page. Poste encore où tu es. Sors là, tu postes. Il est là. En tout cas, pardon, Bipoma Kunagüero. Il vient te donner les détails ici. Comment il va le naxer, c'est la chandelle qui veut le cote. Parce qu'ici, il cote quand même la chandelle. Allez, c'est ma bombe. Voilà, il va atterrir même comment. Bon, on continue. Moi, je suis sorti de là. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Ça va se dire. Vous allez entendre. Maintenant, on parle. Moi, ce gars, sur mon chemin. Moi, j'ai un gars. C'est grave. Hein. Les Bamlekés qui grandissent à Nobel, vous avez un sale comportement. Hein. C'est-à-dire que quand un Bamleké a grandi au milieu des Bassas, il est plus sauvage que les Bassas même. Il dit, vous, les Bamlekés qui grandissent dans les quartiers Bassas, là, regardez, vous-même, regardez Flo. Elle a sauvagé du Fibassa. C'est incroyable. Vous avez vu les clash floor compresseurs? Les clash floor compresseurs. Tu as l'impression que c'est deux Bassa qui se clashaient. Voilà encore un autre. Granger à Nobel. Là, le comportement des Bassa à Roua. Le voilà qui a rien de chier. Les gars de Mangué. Voilà les gars de Nobel que vous avez vous fuyez. Les gars de Mangué ne parlaient plus. Les gars de Mangué ne parlaient plus. Voilà les gars de Mangué, toi, mais qui ne parlait plus. Voilà un gars de Neubert qui cherchait un gars de Mangué depuis deux jours. Le gars de Mangué a fui. On connaît qui est qui? Oui. Pardon, bipez-moi, Koun. Vous êtes à Koun, que nous on attend ici, là. Un gars de Neubel en train de chercher un gars de Mangué. Ça veut dire que un gars de Neubel en train de chercher un gars de Mangué. Un gars de Mangué, un gars de comment on dit encore? Un gars de Neubel en train de chercher un gars de Mangué. En même temps, un gars de Toamiki.
Parce que les gars, il y a des 10 toujours qui sont forts. Les gars, il y a un palais qui sont forts. Voilà un gars de 9 qui est 2, qui est le 9 fois Paris. Ouais, Koun. Ouais, Koun. Comment tu peux ridiculiser le frère comme ça, là? Ouais. Koun, t'avais longueur ton deck. Tu vois, là, les comportements de Flo. C'est Flo qui a les comportements comme ça. Vous savez, les bagarres. Flo contre le compresseur. Hey! Ce n'est pas les petits nyama-nyama que vous faites là aujourd'hui. Ils se donnaient rendez-vous pour se chacaliser. Une fille Bamleke qui a grandi dans un quartier Bassa. Une fille Bassa qui a grandi. Ça dit que le clash, là, c'est au torail. Non, c'est TGV contre l'avion. Maintenant, le voilà, là, il fuit. Quand c'était à mer, il faisait les postes. Fais encore les postes. Ta page en deuil. Maintenant, c'est que quand Agoura à Paris, ta page en deuil. Il va te coincer un jour chez la douane. Belle sauce. On va te coincer. On continue le message. On va se croiser. Ça va être comme ça. On va se croiser. Ça va être comme ça. Ouais. On va se croiser. Ça va être quelque chose de grave. C'est pas grave. Et là, le marché. Il n'a que les pelouchés au pied. C'est pas le soir de tir. Belouti au pied. C'est la marque de chaussures, mais c'est le spaghetti. Parce que les macaroni qu'on vend chez Lidl, là, si c'est Belouti, si c'est Marouti. Y a-t-il là-dedans, quand même? Ah, c'est la marque de chaussures. Ah, il faut nous dire. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, on n'a pas le niveau de porter les grandes marques de chaussures. Aujourd'hui, on se bat. On va aller bagarrer à nos vêtements chez Mo. Mais là-bas, il n'y a pas les Belouti. Si c'est Belouti. Nous, on n'a pas les. Là-bas, il a dit que la chaussure, apparemment, c'est 3 700 euros. Nous, on n'a pas encore le niveau là. Donc, on continue. Voilà. Je ne veux pas mettre les chantus. C'est ce que j'ai. C'est ce qu'il a. Il n'attache pas les terreaux aux chaussures de 3 200 euros. Là. Si ça a bien, achète l'autre demain. C'est rien, ça. Mm-hmm. Je ne veux pas mettre les chantus quand même. Berlouti. Et que c'est Berlouti. Hey, moi, c'est pas les pattes. Voilà, c'est Paris. Hein. Il monte, Monceau Fleur. Il faut pas dire qu'il est en Espagne. Il monte, Monceau Fleur. Les gars, les nouvelles. Les gars, les nouvelles de Comoros ont sécurisé Paris. Maman, quelqu'un va être en train de souffler. Il a mis les antennes là où il est. Quelqu'un s'approche. On chasse le rat. J'ai pas besoin d'aller là-bas. Il dit qu'on chasse, il a dit. C'est Berlusconi, si c'est Berlusti. Bon, en tout cas, chacun a son niveau. C'est qu'un sûr. Il a rien de chercher. Là, il a rien de chercher. Mais le gars, il paye des gens pour m'insulter. Il insulte ma famille. Ben, dis donc. Il dit, les gars qu'il a payé maintenant. Ouais. Maman, quand on a payé. Comme c'est une anus. Il doit nettoyer quoi? Adama, on peut parler comme ça. Comme son anus coule là, je vais nettoyer ça. J'ai du papier toilette dans mes poches de ma doudou. Comme son anus coule là, je vais nettoyer ça. J'ai du papier toilette dans mes poches de ma doudou. Comme son anus coule là, je vais nettoyer ça. J'ai du papier toilette dans mes poches de ma doudou. Je vais foutre tous les papiers. J'ai 2 rouleaux de papier. Je vais foutre ça dans son anus. Tu as combien de rouleaux? Dans mes poches de ma doudou. Je vais foutre tous les papiers. J'ai 2 rouleaux de papier. Ça va de comment? 2 rouleaux. Je vais bien foutre ça dans son anus. Non, attends. Oh, les gars de Nobel. Non, on l'embête. Les gars de Nobel, là, n'exagérez pas. Toi-même, le fond du carton. 2 rouleaux.
Vous les gars, vous pensez même que c'est pour vous. Et vous les gars, le Nobel, il faut faire attention. Hein. Et vous avez votre boîte là-bas qu'on appelle Nobel. Faites attention. Faites attention. J'ai vu un poste, apparemment, il sera à Nobel. Je m'arrangeais. Ouais, les pattes, c'est Barilla. Maman, hé, Brigitte, nous, on est dans notre niveau. Non, moi, ils pensaient que c'était Barilla. Apparemment, c'est Berluti. Non, on pensait que c'était Barilla. Ah, on va faire comment? Chacun, je suis là où il peut. Donc, vous, les gars, le Nobel, le gars, le débat pour maman. Donc, tu veux taper quelqu'un, tu manges le rouleau dans la poche. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Oh, on va pas les choses comme ça, là. Non, vous dérangez, vous dérangez. Ok. Parce que je suis déterminé. C'est pas arrivé là. Et déterminé, on devient doum. On devient bangabangandoum. On kanya boule bangabangandoum. Je ne suis pas en recherche de vie, mes amis. On sait que tu n'es pas en recherche de vie. Non, on sait. La gars, le Nobel, quand il était massacré, il ne cherche plus la vie. Il te tape d'abord. Après, il dit, je ne suis pas en recherche de vie. Mm-hmm. Allô? Oui. Ouais, ben. Ouais. Ça va? Ouais, je suis là, ça va. Ça va et toi? On est là. Ah. C'est pour la passionnade. Là, on a les négociateurs sont en train de cours. Non, toi, tu vas fesser le gars. Il confie, il va fesser le gars. Bani. Attends. Je suis plus au niveau, je vais laisser n'importe qui m'attaquer frontement. Tu vas pas aimer donner. Je suis à ce niveau. Maintenant, tu fais ça, on fait long. C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas de cadeau à faire. Il n'est pas. Il va le fesser. Non, écoute-moi, Bani, ça reste, écoute-moi, parce que oui. j'ai déposé des plaintes partout, tu comprends? Partout, j'ai déposé des plaintes. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Et pas, quand tu as parlé. Maintenant, je passe à l'action et on va gérer après. Voilà, c'est ça. Mais bien, donc, petit. Caris se sont battus, non? Ils sont en prison, les deux, non? Oui, Caris se sont battus. Maintenant, il y a la paix, non? Maintenant, il y a la paix. Tu vois comment les choses se passent? Mm-hmm. Donc, voilà. Ah ouais, apparemment, c'est non, apparemment, c'est ça qui va se passer. Exact. Et je suis d'accord avec toi, frère. Et pour moi, j'ai les menaces, j'ai les provocations tous les jours. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Donc, voilà. Parce qu'à un moment donné... Il faut bipper un mot, hein. À un moment donné... Il a fui son QG. On ne peut pas harceler ta femme Accélé. Tous les jours. Mm-hmm. Et tu restes indifférent. Donc, voilà. Voilà. Non. Voilà ce qu'on appelle garçon. Non, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Tani, qui ne pleure pas. Tu vas voir Bani. Là, il a appelé Bani pour. Le 17e, nous tous on a grandi. Mm-hmm. Tous ont grandi le 17e. Exact. Tu vas voir. Je vais dans le 17e. Je prends mon cigare là et je vais dans le 17e. Non. Tu es en train de faire quoi là? Pour taper quelqu'un, tu prends le cigare. Est-ce qu'on fait encore les choses comme ça? Oh, Koun. Pour taper quelqu'un, tu prends le cigare. Est-ce qu'on fait encore les choses comme ça? Vous-même. Vous les gars, les neufs, là, vous abusez. Hein? Tu tapes quelqu'un, tu prends le cigare. Oh, il dit, je vais le fesser. Avec le cigare à la bouche. Oh, Koun, tu ne fais pas les choses comme ça. Non, tu ne le fais pas. Oh. Quelqu'un peut m'interdire la place. Quelqu'un peut m'interdire Paris. Un coup à Paris. Mais attends, il ne faut pas abuser. Mais tu parles de quoi là? Donc, on peut dire aux gens, il peut dire aux gens que je viens de Paris. Tu vas me montrer. Mais tu parles de quoi là? Là, il a fui. Alors, mais tu me parles. Alors, attends, on parle de quoi alors? Dis-moi, est-ce que je suis un gamin? Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas possible. Non, pas le team, mais juste. Là, il envoie les négociateurs. Je vais donc lui montrer que tout ce qu'il raconte depuis, je viens de lire. J'ai décidé maintenant de venir, parce qu'avant, j'écoutais, j'ignorais. Mm-hmm. Avec la Baloutchi au pied. C'est la Baloutchi. Si c'est la Baloutchi ou la Baloutchi au pied. Hein? Non, je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger, Manu.
Je ne mange pas dans les coins comme ça. Et quand je vais m'asseoir chez la douane pour manger, ce n'est pas mes enfants. Il vient seulement taper. Il part. Il vient seulement taper, il part. La différence entre les deux, on n'a pas cotisé pour le mariage de Kounou. Il a fait son mariage lui-même. Il n'y a pas eu cotisation. C'est-à-dire que la populaire n'a pas cotisé comme au mariage d'Amour. Au mariage de Kounou, il n'y avait pas les histoires des Africains qu'on va prendre les pagnes même pour leur mettre les photos dessus. On gaspille tout le... Non. Il n'y a pas les histoires qu'on va aller tchocoger télé pour... Il n'y a pas les dents. Il a fait son mariage même quand Renko est arrivé là-bas, il a confirmé le code. C'est-à-dire quand il dit qu'il va tabasser, qu'il va tesser, il va tesser. Il n'est pas là les petites choses qu'on tourne à gauche. On est bien dormi. Et on a bien dormi. On continue. Je ne... Bani. On arrête de chercher. Hein. Bani. Là, on envoie les négociateurs. Gagne, fais pas ça. Gagne, ne tape pas comme non, ça. Là. Bani. Non, Bani, il n'y a pas question que toi tu connais, Bani, je connais. Quand ça commence, personne ne va rester. Je connais comment ça se passe, c'est la bouche. Tu comprends? C'est quelqu'un que je l'ai attrapé, j'ai entendu ce coup ici à Paris, quoi, il a failli faire qu'il puisse mourir. C'est Yanka qui m'a sauvé ce jour. Il m'a supplié, on est parti chez Mamija. Donc, il a attrapé à une fois, on l'a supplié. C'est quelqu'un qui veut, donc, tu veux que j'aie une bonne sabbat. Les gars de Neuf, c'est que moi, je n'aime pas sur vous. Vous avez l'habitude qu'avant de taper quelqu'un, vous allez lui décrire comment vous allez le faire. Vous, les gars de Neuf, non, Guimami, on ne dit pas. Tu ne peux pas décrire quelqu'un comment tu as le nac, et tu le nac encore comme ça. Non, quand même. C'est-à-dire qu'un gars de Neuf, il ne pouvait pas être réalisateur. Ça, il te décrit comment il va te nac. Et il te donne l'assaisonnement et les condiments qui vont avec. C'est ça qu'on appelle garçon. On continue. Non. Bani. Mais. Je m'en fous de la jalousie. Comme c'était. Je m'en fous de la jalousie. Mais lui, là. Il me dit qu'il m'a interdit par lui. Oui, non, c'est ça. Il dit non. J'ai les audios, non? Tu as les audios? Bien sûr! Maintenant, tu as interdit un gars Paris, c'est toi qui fuis Paris. Bien sûr, il m'a dit qu'il m'a interdit Paris. Qu'est-ce que tu as le même jour? Tu as le 17e. Donc, oui! Ah, mais bien sûr! Ah, donc voilà. Il a tout de suite, peut-être, bien sûr, peut-être, il a bu un verre de plus. Maintenant, je vais l'arranger. Voilà. Ça, c'est le Katika. Oui, c'était drôle. Je suis... Le gars qu'on appelle Bani là, c'est le Katika. Il fait ça, il arrange. Mais derrière, il fait ce mal. Il prie seulement que non, ne laisse pas. Et quand il a dit avec ses amis, comme ça, après, ils m'ont dit que on a négocié. On a dit aussi qu'il ne tape pas. Parce que le gars tape, le gars là, comme soit. Nous, on avait négocié pour lui. Après, on allait dire, Charmon, on avait dit, oh, plaisir, on a négocié pour que le gars ne vienne pas t'énerver. C'est que tant que nous, on est là, il ne peut pas te toucher. Tant que nous, on est là, il ne peut pas te toucher. Pas te toucher ou quoi? Hein? Il gonfle, oui. Mais le téléphone là-bas, il a fait de prier que ouais, pardon, viens le nap, viens le nap. C'est comme ça que les gars de Paris là font. Il a chant là. Il a chant. Ouais. Il a fait le baby sitting. Ouais. Il a fait le baby sitting by force aujourd'hui. Si tu viens dans le 8e, voilà, si tu suis le chant, si tu m'appelles, je te donne la personne. Voilà, après, je vais dans le 17e. C'est à côté. Il prend son hôtel dans le 8e, mais qu'on nage dans le 17e, le bac n'en. Aman, tu es le barade, mon frère. Mais attends, Bani. Un jeune homme comme ça, il a pu m'interdire. Mais attends, il est là, moi, je vais à Paris toutes les semaines. On est en train de dire que, pardon, Koun. La famille va le tuer. Aujourd'hui, il va manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a mangé la sauce à la chine mal écrasée aujourd'hui. Tant que tu as parlé, le gars va sortir ça. C'est comme quand on était petit. Quand un gars vient te nac chez vous, il se met au corner.
quand tu envoies puiser l'eau, tu dis d'abord qu'est-ce qu'il a. Aïe, aïe, il dit que c'est comme quand tu es petit, il y a un grand qui, il y a un gars de ton égard qui, ton égard vient te nac, il se met au corner comme ça, là on puise l'eau, et ta mère n'est pas au courant de la bagarre qu'il y a dehors, ta mère te dit, hein, va puiser l'eau, qu'elle a mal, tu es là, si tu as ton compliqué, est-ce qu'Aruna, est-ce qu'Aruna? Ok, ouais, donc, t'as dit que je me pose toujours une question. Je demande à tous ceux qui ne sont pas Camerounais, vous faites comment? Vous faites comment pour ne pas être Camerounais? Être Camerounais, c'est un métier à temps plein. Oui, on continue. Ouais. À 23 ans, il n'est pas encore dehors. À 23 ans, il n'est pas encore dehors. Après, on va laisser ça. Attendez, on va faire séquentiel. Attendez, oh, c'est pour ça que c'est très bon d'avoir les grands, les gros écrans. Attendez, on finit, attends. Après, va les visuels, attends. Je vais prendre l'autre téléphone. Je vais aller sur son mur. Je vais voir ce qu'il est en train de faire. Je vais aller sur son mur. Je vais voir ce qu'il est en train de faire. Allô, ta mère. Oui, chef. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Hey, oui, chef. Attends. Donne-moi là où se trouve. Allô, ta mère. Oui. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Attends, j'appelle le. Attends, j'appelle le. Le. Donne-moi là où se trouve. Allô, ta mère. Oui, patron. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Ok. Allô, ta mère. Oui, patron. Attends, il cherche. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Attends, il cherche, patron. Donne-moi là où se trouve. Ok, attends, patron. Tu m'appelles, il manque. Ok. Allô, ta mère. Oui, patron. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Ok. Allô, ici Aka. Le patron est fâché. Ça dit, il m'appelle à 23h24. Le patron est fâché. J'ai mobilisé plus de 200 éléments pour chercher ce gars. Vous n'allez pas me dire que vous n'arrivez pas à trouver un individu dans tout l'île de France depuis 14h? Oh, à vous. Non, là le patron vient de m'appeler. Il n'est pas content. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous restez éveillés jusqu'à minuit. N'oubliez pas qu'à minuit, on doit contrôler les ordinateurs pour voir si le RSA de Lolo n'est pas tombé sur le livret A. À vous. Ok, merci Alpha. Bon, rien à transférer. Hein? Donc. Allô, ta mère. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Ça donne la partie ici. Allô, ta mère. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Allô, ta mère. Donne-moi la géolocalisation d'un mot. Il a fui Paris. Tu m'appelles, il manque. Attends,
Seigneur, Seigneur, je me demande, je me pose une question. Ceux qui ne sont pas Camerounais font ça comment? Ceux qui ne sont pas Camerounais, Seigneur, ils font comment pour vivre? Être Camerounais, c'est un métier à temps plein. Vous voyez que... Aïe! Le doigt a le goût. On continue. S'il est un garçon, il fait un poste. Il donne sa localisation. Même si c'est un 200. Il a dit, si le garçon, il fait un pouce. Quand c'était mon tour, il postait tous les deux minutes. Quand on m'a arrêté, le gars l'a posté tous les deux minutes. Maintenant, alors, voilà quelqu'un qui te cherche maintenant. Tu fuis. C'est le deuxième là que je suis en train de faire qu'on te cherche. Tu fuis. Le baby-sitting va te tuer le jour, le tout aussi. Il te rappelle que Koun voyage demain soir. C'est même pas le matin. C'est demain soir qu'il est au Luxembourg. Donc demain, tu vas encore faire le baby-sitting. Aïe! Aïe! Oh, Cameroun! Cameroun! Ngongo pangolin tient ballon. Hey! J'entendais que les gars petits sont forts. Les gars vont me de faire quoi? Quand on vous dit que les gars petits n'ont pas le courage. Regardez. Regardez comment les gars bambleke vous torturent. Il dit qu'il y a le tout aussi. Il dit que j'imagine un peu que si Koun le croise, maman, on va le piler même. On va le piler comme le foutu, hein. Parce que la main de Koun d'abord, quand il gifle, ça compte deux fois. C'est-à-dire que quand Koun va, il agit ses doigts là comme ça. Là. Parce que quand Koun gifle un tour, ça compte deux. Hein. C'est une pam pam. C'est-à-dire qu'il te gifle un tour, tu reçois une gifle, mais avec deux bruits. Quand ils ont les gens, les gifles là, non. Et quand Koun est encore costaud, 1m90 contre 1m59, n'en qu'il y a moi. Et les gens, on traumatise seulement. Ben oui. Hein? C'est maintenant le tout, le vrai tout. C'est le tout aussi. Le baby-sitting va te tuer. Attends, il m'avait su sa page même. Il postait la poste. Il postait la photo qu'il ne postait jamais avant. Attends, il m'avait, je suis sur sa page. Je suis sur sa page. Facebook, c'est quand tu as la bouche et que tu crois que quelqu'un lui aime le terrain. Hein? Attendez. Ouais, on devait citer la médaille de quoi? Oh. Attendez. Hey. Il a supprimé la photo et fait le bébé sitting. Oh, et attends. Le dimanche 8. Cool, le dimanche 8, il est à Neubel. Cool. Le dimanche 8, il est dans une boîte qu'on appelle Neubel. C'est là-bas alors où l'assaisonnement là, n'aura pas le goût. J'espère qu'il sera là-bas. Koun, en bagnole. Le tout, Simon, je serai là-bas. Moi-même, je serai là-bas. Il dit que, on va voir ça. Koun a dit qu'il est là le week-end. Non, le week-end, si. On va se rassembler tous là-bas. Ouh, du Pongli, attendez, voilà. Hey, on a dit qu'il y a, je ne vais pas regarder l'enfant. Je ne vais pas regarder l'enfant, hein, sur quelle page? Attends un peu, m'avais un peu sur la page de sa femme. Peut-être c'est là-bas, il garde l'enfant. Attends. Peut-être ça va être capable, il ne voit pas. Il ne voit pas l'enfant. Hé! Hey, il en a regardé l'enfant, frère, frère. Ma Jaguar, tu dois dire merci à Koun parce qu'il a posé aussi, gardez là. Hey! Hey! Et j'ai dit, qu'est-ce? Et j'ai dit, gardez là. Ah, Koun! Ouais. Ma Jaguar, pardon, il faut dire merci à Koun. Au moins, le gars, il a dit. C'est quand le déo est dur que tu te rends compte que la famille est importante. C'est quand le déo est dur que tu vois que la famille est importante. Hey!
que, ouais, Kound, Kound, au moins tu as de l'eau work aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quand le dehors est dur que tu vois que la famille est importante. Là, tu fais le babysitting by force. Quand tu arrêtes même l'enfant, on sent comment tu es raide. Quand tu arrêtes... Et tu as sauvé deux personnes. Parce que après, parce que quand il ne fait pas le babysitting, il prend le crédit chez la doyenne. Ouais, Kound. Kound, franchement, tu as fait... Il faut que tu viennes constamment à Paris. Kound, pardon. Il faut que tu viennes constamment à Paris. Parce que si tu viens à Paris tous les jours... Aïe! Ok. Non. Attends. On continue la vidéo. Ouais, que. C'est lui que je cherche. Mm-hmm. Je cherche pas les 199. Donc, voilà. Eri, on va sauf qu'être Nobel. On va sauf qu'être là-bas. Tu as dit ce qu'un gars de manquer par Nobel. Là, Eri, qu'on a dit que le week-end, il est à Paris. Rien que moi. On ne fait pas les likes. Vous savez, parce qu'on ne pose pas les trucs en like. Vous voyez qu'on a peur beaucoup. Un imbécile comme ça, là, malheureux comme ça, il me dit carrément, il m'interdit Paris. Tu ne veux pas Paris, toi. Quand il fait la manche, il me trouve sur la Madrid, avec ta femme. Tu vois, tu fais la manche. Tu es dans le monde, tu es dans le désert. Tu ne veux pas Paris. Voilà maintenant. Vous aimez interdire les gens. Voilà maintenant. Mm-hmm. Il t'interdit Paris. Continue à interdire aux gens. Continue à interdire. Voilà. Tu n'es pas encore les gens français depuis 10 ans. Voilà. Maman le Toussien, Adama, votre président de Paris. Il est devenu Zelensky. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, Zelensky a fui. Il est allé en Pologne. C'est le calendrier qui change. Le calendrier qui a changé. Kound, pardon, tu as fait mal. 2022 va rien changer sur ta situation. Tu n'es pas le matin. Mm-hmm. Non, il faut arrêter. Ouais, le président de Paris a fui. Il est devenu comme le président de l'Ukraine. Là, la Russie en plein Paris, il a fui. Il a laissé se cacher. Allez suivre Kound sur Snap. Maman. Il n'y a pas que je me rabaisse pas dans la bouche. Quelqu'un ne peut pas dire en public que Thierry Bussou ne peut pas mettre les pieds à Paris. Il se cache pas à Paris. Donc maintenant, je suis venu à Paris notamment pour ça. La bastonnade. Et quand tu chicote en plein mois de janvier, ça fait mal. Et demain, je vais aller au Luxembourg aussi. Je vous dis, vous êtes là. Demain, je vais aller au Luxembourg. J'ai un type administratif à faire là-bas. J'ai tout entendu. Oh, il veut pas passer le type majeur. Demain, je vais au Luxembourg. Il part de vous. Donc, faites ce que vous voulez faire là. Demain, je vais là-bas. Après, j'ai appris que je vais chercher là-bas. Donc, je vais affronter là-bas. Massa. On vient de détrôner. On a dit que avant on avait enlevé le nom. Maintenant, alors, on vient de mettre ça dans la mort. J'ai déjà mes antennes dans le 17e. Je suis quand même de la vieille école. Je suis un Parisien. Donc, c'est ma ville. J'ai mes antennes là-bas. Dès qu'ils prennent son nez là-bas, ils viennent m'appeler. Voilà. Tu as dit que tu es courageux. Vous m'entendez.
que les gens doivent se respecter. Mm-hmm. Attends, tu vois, Charles, les gens écrivent, ils vont sur les plateformes, ils racontent n'importe quoi, ils partagent des conneries pour vouloir vous détruire. Attends, à un moment donné, ça sert à quoi j'ai écrit ça? Ma frontière, la personne. Et vous gérez ça? Non. Ça sert à quoi j'écris? C'est ça qu'on appelle garçon, pas de faux profil. Non, je me cache pas. Quand je fais des vidéos, je m'explique. Il vient un grand mec. Si j'ai affaire à quelqu'un, je parle directement à la personne. C'est tout. Je sais que c'est une femme là, nous sommes là, elles font le direct. En plus, elles vont parler, elles se gueulent dessus après ça. Vous êtes rentrés, vous permettez même les journaux, vous permettez même les documents. On a pris le crédit en Belgique. Quel crédit on a pris? On a habité en Belgique. Fabriquer les actes de naissance des enfants juste pour humilier les gens. Moi, je vais au Bishabu, je vais faire les actes de naissance de mes enfants. Je vais lui passer ça. Vous allez voir. En ce moment, je fais les choses de ma chanson. Je vais au Bishabu, je vais aussi à l'ambassade de France. Là-bas. Je vais vous donner rendez-vous. Demain. L'ambassade de France. Ouais. Guerre de relation. Dans ma guerre de relation. Il y a des gens-là qui m'attendent au Bishabu. Vous êtes trop fort. C'est le fait là, vraiment. Ouais, on a détrôné le boss de Paris. Oh. Ben, celui qui me parle, là où il vient de monter, là où Amo, parce qu'Amo. Ouais, salut ma panne. Il a dit en public que moi, il m'interdit Paris. Donc moi, je lui mets un défi. Je l'envoie la. Oh, le mot défi maintenant. Celui que tu as interdit Paris est là. Là où tu te trouves, pas dans ton domicile, ou bien pas dans le domicile de quelqu'un. Même si tu es dans un restaurant, je vais te le citer. Le restaurant ferme à 1h du matin. Voilà, le restaurant ferme à 1h du matin. Donc, pour ceux qui veulent le localiser, le problème c'est que pour ceux qui veulent le localiser, pour ceux qui veulent le localiser, il est 1h. Lolo, tu son RS à l'entrée dans 20 minutes. Lolo, ton RS arrive dans 20 minutes. Tu vois, on va respirer un peu. Ouais, maman, la honte. Voilà comment tu interdis. Voilà comment tu interdis quelqu'un Paris. Il vient te faire ça dur. Oh, la honte de ça. Moi, j'ai fait le live pour savoir si vraiment le mal du combat a eu lieu. Mais là, on s'en rend compte que trop parler, c'est maladie. Oh. Trop parler, c'est maladie. Voilà alors, voilà ce qui vous attend alors. Ouais, ma panne. Ma panne, pardon, essaie de chercher dans les mapans. Si tu ne trouves pas Amoud là-bas. Voilà ce qui s'est donc passé. Voilà ce qui se passe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Un homme, ça veut dire que l'histoire va retenir qu'Amoud a fui Paris aujourd'hui. Mm-hmm. Hé, hey, Shadama! Le live est resté là, connecté, santé. C'est ta mère, Kamer. Et alors, alerte, alerte. Lolo va toucher son RSA à minuit. Lolo va toucher son RSA à minuit. La toile va respirer après-demain. Mmh. Oh, maman. C'est ta mère, Kamel, le numéro 1. Ah ouais. Kamel en place. Toujours au P. Et il n'y a aucun Kongosa que nous, on va louper ici. Il n'y a aucun Kongosa. L'appareillage Kongosa est déjà en place. Ciao.